Bonsoir tout le monde, moi content avec nous pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle chaîne. Côté que nous allons parler environnement, nous allons parler écologie, nous allons parler cartographie, nous allons parler économie, nous allons parler statistique, nous allons parler aménagement du territoire et nous allons parler développement local. En soi, à nos côtés, une petite vidéo pour nous, côté que nous allons présenter nous l'importance de l'environnement et les différents services offerts par notre environnement. Pour nous commencer, l'environnement, lui-même, nous tous connaissons du rôle des fournisseurs des ressources naturelles pour la satisfaction des besoins de l'homme. L'environnement permet que nous gagnions des sols fertiles pour nous faire production et végétale. Il permet de nous joindre de l'air pur pour nous capables de respirer, pour nous capables de rester en vie. Il permet de nous joindre de l'eau douce pour nous capables consommer, pour nous capables faire irrigation, pour nous capables alimenter, un ensemble d'éléments qu'on a besoin, ils permettent nous gagner aliments pour nous capables consommer, ils permettent nous joindre des plantes médicinales pour nous capables fabriquer, un ensemble de et produits et chimiques et pharmaceutiques pour nous faire médicaments, pour nous faire savon, pour nous faire crème, etc. Ils permettent nous joindre des minerais également pour nous capables et fabriquer des voitures, pour nous capables construire un ensemble d'éléments, pour nous capables et faire téléphone, faire laptop, faire tout projecteur, pour nous capables utiliser de façon à ce que pour nous capables améliorer et capaciter nous. Nous capables arriver à comprendre que l'environnement joue un grand rôle pour nous, côté que l'hyperal paraît extrêmement important pour nous protéger l'environnement. Nous. Ils permettent nous gagner également des pétroles, qui permettent nous fabriquer des essences pour nous transformer, qui permettent nous capables de déplacer, que ce soit sous la mer, que ce soit à la surface de la terre, que ce soit dans les airs. Et bien, à partir de ça, nous joignons que l'environnement est extrêmement important. C'est lui-même qui fournit nous tout élément qu'on a besoin pour nous capables de vivre à la surface de la terre. Ensuite, et nous gagnons les différents services offert par l'environnement, nous sommes capables de remarquer sur l'image-là, nous avons un service de support ou de soutien, nous avons un service d'approvisionnement, nous avons un service de régulation, nous avons un service culturel. Nous avons commencé avec service de support ou de soutien, côté que l'environnement permet que la matière soit capable de renouveler, soit capable de transformer pour retourner même j'ai côté que nous parlons du cycle de la matière. De même, l'eau elle-même est capable de transformer, de passer de la forme liquide à la forme vapeur, de transformer sous forme vapeur, de condenser, qui permet de nous parler d'évaporation, évapotranspiration et transpiration, et quelque part, il y a le condensé, et puis de transformer sous forme de nuage, ensuite, de descendre sous forme de précipitation. Côté que nous sommes capables de gagner plusieurs types de précipitations, dépendamment de dans quelle région nous placer, dans quelle position nous placer à la surface de la Terre. Ensuite, nous avons la formation des sols qui est liée par rapport avec plusieurs facteurs, tels que la nature des roches-mères, la température, la précipitation et l'humidité, le temps, la position, là, c'est ensemble de facteurs qui capable participer à la formation des sols qui lient non seulement par rapport avec éléments minéraux nous jeunes dans roche mais également par rapport avec éléments organiques côté que nous capables d'exploiter dans différents et résidus d'origine et animale et végétale. Ensuite, nous avons la conservation de la biodiversité qui commence par différents écosystèmes qui permettent que nous gagnions une diversité de vie côté que nous pouvons exploiter l'espace là, côté que nous avons exploité en harmonisation avec l'environnement. Deuxième service offert par l'environnement, c'est le service d'approvisionnement. Environnement approvisionné nous en alimentation, en eau, en fibres, en combustible, en ressources génétiques, pétrole et produits biochimiques et pharmaceutiques. Et troisième service, c'est le service de régulation qui est axé sur le climat et ses différents et caractéristiques, la température, pression, humidité, insolation, etc.
de la qualité de l'air par rapport avec et quantité d'oxygène nous gagnons dans l'atmosphère et ensemble la photosynthèse également qui va produire oxygène qui va augmenter quantité d'oxygène nous gagnons naturellement dans l'atmosphère là. Ensuite, et des flux hydriques, de l'érosion, des maladies, des parasites, de la pollinisation, des risques naturels qui liés par rapport avec aléas, enjeux et vulnérabilités. Ensuite, dernier service, c'est service culturel qui est axé sur plusieurs valeurs, valeurs spirituelles, valeurs et religieuses, valeurs esthétiques, récréation et écotourisme. C'était vidéo ça, nous t'ai porté pour nous, à ce qui est axé sur l'importance de l'environnement et les différents services offerts par l'environnement. Merci, à la prochaine.